Dimanche 12 août 2012. Nous croisons en gare de Villefort le train Le Sévenol descendant de Clermont-Ferrand à Marseille. Le train Clermont-Marseille démarre de la gare de Villefort. Celui-ci libère la voie, nous allons donc pouvoir repartir d'ici un court instant en direction de Clermont-Ferrand. Notre train, grande ligne, le Sévenol, reliant Marseille à Clermont-Ferrand, s'élance en gare de Villefort. Pour rappel, ce jour, ce reportage a débuté en gare de Jeannolhac et se poursuit jusqu'en gare de Langeac. Nous sommes montés en gare de Jeannolhac avec 30 minutes de retard. Notre train n'étant pas traité comme prioritaire par l'exploitant, nous avons dû attendre en gare de Villefort un quart d'heure que le train descendant de La Bastide, Saint-Laurent-les-Bains, car initialement dans laquelle nous devions croiser le Sévenol. Ce train ayant été lâché sur les voies, nous avons croisé en gare de Villefort. Notre voyage se poursuit en direction de La Bastide, Saint-Laurent-les-Bains.
vous aussi, toute l'année, traverser la France en train classique par la ligne des Cévennes. Reliez Paris à Marseille par Clermont-Ferrand.
Voyager par la ligne des Cévennes, c'est traverser des paysages grandioses, tels les gorges de l'Allier. Des ouvrages d'art tout le long du parcours. Un voyage exceptionnel. Thank you.
Apparition sur la droite de la voie en direction de Mende marque l'entrée en gare de La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains. Prochain arrêt, La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains.